plus rien pour manger à moi. Je devrais encore aller à la chasse. Voyons voir qu'est-ce que je vois à l'horizon. Oh là-bas, un dragon! Je vais l'attraper. Oh zut, je l'ai zoupé. Je vais devoir récupérer ma lance. Je crois qu'elle était dans le coin là-bas. Ouh là là. Mais c'est magnifique. Ma lance doit se trouver dans le coin. Pas la moindre trace de ma lance. Ouais. Petite. Hein? J'aimerais vendre cette maison. Où sont tes parents? Mes parents? C'est que en fait ils sont partis se balader. Partis se balader? Oh. Où est l'argent? En fait ils sont pauvres, ils ont pas un centime. Oh. Bah dans ce cas, si tu veux, je te la donne. Je vais préparer mes bagages. Voilà, déjà je les avais déjà préparés, donc voilà. Allez, à toi. À moi? Oh. C'est joli, mais c'est quoi ça? Peut-être un nouveau genre de dragon. Mais je n'ai pas ma lance, je vais pas pouvoir la voir. Ah, c'est trop marrant. Allô, Morgane? Morgane? Je m'appelle Lynn. Lynn? Mais vous n'êtes pas Morgane. Non, je ne suis pas Morgane. Oh. Eh ben, où est Morgane? C'est qui? Celle qui habite cette maison? Non? Morgane? Elle ressemble à quoi? C'est une biche. Oh, elle a vendu la maison gratuite. Quoi? La maison gratuite? Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle a préparé ses bagages et... comment vous appelez-vous? Oh, je... Pip, pip. Hein? Oh. C'est quoi ce drôle d'engin? Ouais. Je crois que je n'ai rien à faire. Je vais partir. Je dois chercher ma lance de toute manière. Oh Hugo, on n'a pas beaucoup d'amis, non? Bah, on est que deux, hein. Tu sais, c'est pas tellement deux.
Oui. Mais... Mais... Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lynn. Qui êtes-vous? Moi, c'est Hugo. Et moi, c'est Cynthia. Tu as quel âge? Je sais pas. Tu sais pas ton âge? T'as dit tout? Je ne sais pas. J'habite dans une grotte. Avec mes animaux. Et puis, as-tu des amis? Parce que t'as pas vraiment l'air d'en avoir. Non. Attends, reviens! Ne pars pas! Mais pour que tu veux partir? Ne vous approchez pas de moi, mais on veut devenir ses copains. On veut être des amis, pas des méchants. C'est vrai? Si tu veux, on t'invite chez nous. Ah non? Ouais. Mais tu nous avais dit d'habiter dans une grotte. Mais pourtant, je t'ai vu sortir d'une maison tout à l'heure. Oh, ah oui, c'est vrai. C'est ma nouvelle maison. Tu peux nous emmener chez toi? S'il te plaît. D'accord. C'est ça chez toi? Eh ben, c'est plutôt bien, pourquoi tu t'en vas? C'est parce que c'est pas mon vrai chez moi. C'est pas chez moi. Non? Waouh! Oh, regarde, il y a un trou. Oh ouais! On entre dedans en plus. Hein? J'avais pas remarqué. Faites attention, il y a un monstre. Un dragon? C'est pas un dragon. Pas un dragon? C'est une espèce de souris là, qui part. Ça? C'est un téléphone, ça permet de parler aux gens de notre entourage. C'est un extraterrestre. Ça n'existe pas les extraterrestres. Regarde, on va aller dans le trou. Tiens. Oh, d'accord. Vous venez? Ouais. Mais comment ça se fait que vous venez ici? C'est une grotte? Mais non, c'est une maison. Enfin, peut-être un château, mais... Wow. Oh, des sièges derrière. Et regardez, il y a des escaliers. On va peut-être plutôt y aller. Regarde, j'arrive. Regarde. C'est pas très rassurant, du coup, mon ami. Il y a même une grande fenêtre. Oh. Comment ça? C'est rigolo, non? C'était trop marrant! Ah ouais? Tellement! Encore cette Elena! Je comprends plus rien! Descends dans les marches!
Combien de mètres de la sortie? À quelques mètres. Bon, on y va. Ouais.